Les premiers défrisants ont été appliqués à la sortie de l'esclavage. La femme noire, pour trouver une place dans la société, a commencé à se défriser, mais alors que dans un premier temps, c'était plus pour ressembler au maître que le défrisage se faisait, Madame C.J. Walker a complètement changé la donne. Qui était C.J. Walker? C'était une femme noire. Elle a créé les premiers défrisants qui étaient à la base faits à base de, le conque de Lambie. On retrouve de la chaux dans la conque de Lambie et c'est ce qui composait les premiers défrisants. Et cette dame, elle est devenue multimillionnaire, en sorte que son argent lui a ouvert des portes. Là où un noir, même un homme, ne pouvait pas entrer, Madame Walker a eu ses entrées. Aujourd'hui, nous avons des stars comme Rihanna et autres, où les jeunes aiment à ressembler. À l'époque, ça n'existait pas, parce que le sorti de l'esclavage, il n'y avait pas de noirs suffisamment connus, mais Madame Walker, elle l'a été, en sorte que les mères et les filles voulaient ressembler à Madame Walker, et ce qui définissait Madame Walker, c'était les cheveux défrisés, car elle utilisait les mêmes produits qu'elle conseillait. Et fort de cela, être défrisé est devenu un savoir-vivre. Il y a encore 30 ans de cela, venir avec les cheveux nappis lâchés dans un mariage serait déshonorer la personne qui vous a invité. Aïba Tetou, en sens. Et avec le temps, le défrisage étant devenu, à partir de la confirmation solennelle, les jeunes filles étaient soit défrisées à chaud, soit à froid. Et des voix se sont levées avec le temps, comme Malcolm X. Ceux qui ont vu le film Malcolm X, on le voit en train de se défriser au début du film. Il n'y a plus d'eau, il va rincer sa tête dans la cuve des WC. Il arrive en prison et il prend conscience de la puissance du peuple noir. Et dans cette même période, dans les années 60, les Black Panthers ont mis en place le Black Power, la puissance black, et des artistes et des intellectuels comme Angela Davis, Jackson 5, Otis Redding, ont appliqué la coupe, afro, qui était devenue le Black is Beautiful. Jusque-là, les choses allaient, mais 80% des femmes continuaient quand même à se défriser. Il y a 20 ans de cela, une nouvelle philosophie a commencé à prendre vie. Cette philosophie, c'est celle du peigne afro. On la connaît particulièrement aux Antilles, sous le nom du nappi, le nappinisme. Mais aussi vrai que celles qui deviennent nappi, qui gardent les cheveux naturels, c'est une bonne chose. Mais moi, je veux mettre en garde contre la base même de cette philosophie qui, pour moi, amène la femme, noire à retourner dans les chaînes de l'esclavage. Pourquoi? Le mouvement nappi déclare que toute femme noire dans les cheveux duquel le peigne afro ne tient pas à renier sa race. C'est bien ce que vous faire les recherches sur Internet. Toute femme noire dans lequel le peigne afro ne tiendrait pas à renier sa race. Et c'est pour ça qu'une femme noire qui se défrise, ils ont déclaré que cette femme renie sa race. Mais la question que je pose, la Tahitienne qui est une femme noire métissée, les femmes noires quand même, ici nous avons des chabines, et ce sont les femmes noires qui naissent avec les cheveux relativement raides. Est-ce que ça veut dire que dès la naissance, ces jeunes femmes renient leur race? Vous savez, les chaînes de l'esclavage sont tombées. Je ne suis pas coiffeur nappe. Je ne suis pas là pour le cheveu naturel seulement. Je suis là pour la femme noire, qu'elle se défrise ou qu'elle ne se défrise pas. Je suis là pour apporter le conseil. Et tout au long de là maintenant, dans ce que nous allons voir, je suis là pour vous expliquer. Si vous choisissez de vous défriser, certes, mais sachez ce que vous faites, puisqu'il y aura des répercussions dans votre corps et sur vos cheveux avec le défrisage que vous faites. Là maintenant, d'avoir le défrisage normal, dit normal, donc le défrisage à base de soude. Quand on fait ce défrisage, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous avez c'est un cheveu coupé de moitié, puis coupé de transversal. Sur le cheveu, vous avez des écailles, comme les écailles de poisson, qu'on appelle la cuticule. Ici, le cortex, c'est la base la plus épaisse du cheveu. Quand on fait un défrisage, c'est là que le produit va agir. Et le cortex est formé de ce qu'on appelle la chaîne kératinique. Qu'est-ce que c'est que la chaîne kératinique? La boule que vous voyez ici, c'est une boule de kératine. Ce qui relie deux boules entre elles, en orangé, c'est de la cystine. Quand on fait un défrisage, on va briser
la cystine qui retient les deux boules et la boule de kératine elle-même, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez un œuf. Vous prenez l'œuf, vous allez faire un petit trou dedans, vous y mettez une paille et vous allez retirer 40% de la matière du cheveu. Quand vous allez défriser vos cheveux avec un défrisage normal, vous allez enlever jusqu'à 40% de la matière qui est dans le cheveu. En sorte, mesdames, faites attention, on ne peut pas être en train de retirer tous les deux mois, trois mois, qu'on fait un défrisage de la matière du cheveu et de ne pas le ramener. Quand vous faites un défrisage, assurez-vous qu'avec le défrisage, soit vous prenez des comprimés donc de kératine et de cystine pour reformer vos cheveux, soit vous mettez des ampoules de kératine sur le cuir chevelu, soit vous faites des soins à base de kératine pour remplir à nouveau l'espace resté vide dans vos cheveux. Beaucoup de femmes noires vont me dire la femme noire ne peut pas avoir les longs cheveux. Je dis que ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas enlever de la matière des cheveux et ne pas ramener cette matière et vouloir qu'il continue à pousser. Donc quand vous faites le défrisage, faites des soins à base de kératine et prenez kératine et cystine pour l'intérieur et ainsi vous allez remplir à nouveau votre cheveu. Hormis cela, donc, la molécule que l'on utilise, l'hydroxyde de sodium, donc c'est elle qui va briser les ponts disulfurés et faire que le cheveu va se défriser. Mais malheureusement, ce produit, on n'a pas conscience de ce que c'est. Je vois des fois, j'ai déjà vu des jeunes filles de 14-15 ans, ça nous le verrons tout à l'heure, se défriser entre copines comme si de rien n'était. C'est-à-dire, en bonne copine, j'ai besoin de me défriser un tel. Qui je ne pas passer au Ganta. Ah ouais, je suis à la Grenin, je ne pas moi. Mais sachez-le, l'hydroxyde de sodium, la soude contenue dans le défrisage, est corrosif pour le corps humain. C'est un produit chimique et les plus anciens, les plus âgés ont connu les brûlures suite au défrisage qui laissaient l'espèce de bobo, une plaque au fond de la tête. Le produit, je ne sais pas si vous avez eu à ouvrir une bouteille d'alcali pur et que par malheur vous avez pu la respirer. Vous savez comme c'est fort? Le défrisage est trois fois plus fort que de l'alcali pur. Et pourtant, on joue avec. Petite chose, si vous faut vous défriser vous-même, parce que certaines fois, les finances ne permettent pas d'aller voir un coiffeur, réparez au fond de la tête, passez soit de l'huile de carapate, de une huile grasse, de l'huile d'olive, ou encore de la bépentaine. La pépentaine qu'on passe sur les fesses des bébés pour les gerçures, pour protéger. Si vous allez chez votre coiffeur et que vous savez qu'il n'aura peut-être pas le temps de le faire, le soir ou le matin avant de partir, passez réparer de la bépentaine sur votre cuir chevelu, parce que vous avez une levure qui tire ce promo, on l'a vu tout à l'heure. Si vous ne protégez pas, petit à petit, cette levure, elle va devenir moindre et les bactéries vont attaquer votre cuir chevelu. Et imaginez un désert, rien ne pousse dans un désert, c'est ce qui se fera aussi sur votre tête. Donc, si vous défrisez, préservez votre cuir chevelu en le protégeant. Hormis cela, on a l'impression que pareil, le défrisage est devenu tellement commun que, alors qu'une femme enceinte ou une femme qui allait ne va pas consommer d'alcool, une mère qui allait son bébé ou qui est enceinte et qui va prendre un whisky coca, on va lui dire mais elle est au folle et ton bébé dans tout ça. Mais par contre, elle va se défriser. Sachez une chose, le défrisage est un risque pour la femme enceinte. À partir de 4 mois et demi, un fœtus est viable. Le cœur est déjà en bon état de marche, les poumons sont déjà en bon état de marche. Ce faisant, l'organisme de l'enfant, petit à petit, est en train de reprendre la relève jusqu'à ce qu'il puisse prendre vie. Et à partir de ce moment-là, l'organisme de la mère va se relâcher un peu pour permettre à l'enfant de commencer à éclore comme il se devrait. Et c'est là que le problème va se poser à partir de 4 mois et demi. Puisque le principe actif du défrisage passe dans le sang, va dans le placenta et vous allez nourrir votre enfant avec ce produit chimique, risque de problème pulmonaire, risque de problème cardiaque pour votre bébé. Quand vous êtes enceinte, ne vous défrisez pas. Chivez à raide, oui, je sais. Faites des tresses, faites des nattes, pas de produits chimiques sur votre tête alors que vous êtes enceinte. C'est important. Mais hormis cela, il n'y a pas que cela. En plus de nuire au fœtus, ce produit, le défrisant, est susceptible, comme on se dit, de nuire à la fertilité. Pourquoi?
le journal américain Journal of Epidemiology de 2012, qui est une étude très sérieuse, a démontré que 80% des femmes qui se défrisent ont le risque d'avoir le fibrome utérin. Quand on regarde aux Antilles, on a un problème qui est, sanitaire. Il y a plus de femmes qui ont des fibromes aux Antilles que la femme métropolitaine, pour la simple et bonne raison que la femme métropolitaine ne se défrise pas. Quand vous allez vous défriser, le produit ne reste pas sur votre tête, mesdames. Il passe dans le sang et va empoisonner tout votre organisme. Et ce n'est pas que cela. Quand vous allez allaiter, le principe actif du défrisage va passer dans le sang, ira dans le lait maternel et ira empoisonner votre enfant. Et là, il y a des risques de dermatose, dont l'eczéma atopique. On ne défrise pas une femme qui allaite. C'est important. Vous imaginez que vous êtes défrisé alors que vous étiez en train d'allaiter et que après votre enfant a des problèmes de peau, ou que vous êtes défrisé pendant que vous étiez enceinte et que vous entendez par la suite quand vous avez accouché qu'il a un problème cardiaque ou encore un problème pulmonaire. Et que, comment vous allez vivre avec cela? Faites des tresses, faites des nattes, mais n'empoisonnez pas votre enfant.